Hey, salut tout le monde! Bienvenue au trèfle avec Marco, puis aujourd'hui on s'en va jouer une deuxième partie de Maximum Apocalypse. Bon, bien on est prêt à commencer. Tout ce qui nous manque à faire, c'est d'aller piger les cartes pour nos personnages pour voir avec quelle main on va commencer, et puis ensuite on arrive avec la, la tuile de la, du véhicule, de la vanne, on fait du bruit, les monstres vont apparaître et puis la mission commence. Euh, juste pour vous donner un compte-rendu d'où on est sur cette mission-là. Euh, la mission, elle, elle s'appelle, elle s'appelle Collect the Samples. C'est une difficulté très facile. Le but de cette mission, euh, ben c'est la deuxième mission dans le fond, c'est la suite à la mission d'avant. La mission d'avant, si vous ne l'avez pas vue et vous voulez, vous voulez la voir en premier avant de voir celle-ci, appuyez sur le petit i en haut de l'écran et puis ça va vous emmener sur la vidéo. Sinon, un petit compte-rendu de qu ce qui s'est passé, c'est que dans l'autre mission, on allait dans une ville. Et puis là, il y avait des zombies et tout qui se promenaient, puis il, on, 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 a, on a reçu un, un communiqué euh, du headquarters qui disait « Ah, il y a un scientiste euh, qui, a, qui a une idée comment guérir le monde, donc il faut absolument le, le secourir pour qu'il puisse essayer de nous sauver. » Donc, euh, la mission, c'était de se promener sur les tuiles qui sont ici, euh, dans l'autre ville, évidemment, <coughs> et puis de trouver le scientiste et d'être capable de l'extraire, de le ramener au véhicule et le sauver avec... Euh, en ayant assez d'essence. En plus de sauver le scientiste, il fallait trouver assez d'essence pour remplir la vanne pour être capable de sauver assez loin des zombies pour pas qu'ils peuvent se rattraper et nous rattraper. Donc, euh, ça c'est la suite de la mission. Donc, en chemin vers euh, cette deuxième ville, le scientiste s'est dit Ah oui, oui, je sais comment euh, guérir les gens cependant, j'ai besoin de spécimens pour pousser ma recherche vers l'avant et peut-être trouver un remède. Donc, la mission ici, c'est de collecter, d'abattre deux de chaque type de zombies et euh, garder leur, leur, euh, leur des, des, des parties de leur corps là, pour faire des tests. Les ramener avec nous à la vanne, encore une fois, avec assez d'essence pour se sauver. Donc, le nombre d'essence que ça prend, c'est quatre. C'est indiqué sur la carte ici, euh, en rouge. Et puis, euh, comme je vous disais, c'est deux de chaque monstre. Et les monstres, il y a des walkers, il y a des spitters, il y a des, euh, des espèces de doberman, des chiens, et puis des soldats. Donc, ça va prendre un total de huit. Euh, samples, 8 échantillons de zombies euh, pour être capable de gagner la mission. Euh, ok, donc, euh, allons-y. Sans plus tarder. Ah oui, une règle, j'ai oublié de vous dire. Dans le deck de monstres ici, il y avait un setup spécial à faire. Euh, les 10 dernières cartes ont été enlevées. Un boss zombie, il y en a deux dans le jeu, mélangé. On ne sait pas qui est-ce qu'on va avoir. C'est soit un, un zombie horde ou un zombie queen. a été mélangé là-dedans et ensuite avant va en dessous du paquet. Donc, c'est pour ça que je ne le mélange pas. Ok? Il uh, est correct comme qui est là. Donc, euh, le jeu va débuter. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier oh, Oui, on va nos 4 pour voir qu'est-ce qu'on a euh, avec nos personnages pour commencer. Donc, le, le Fireman, lui, on va avoir un euh, Oxygen Tank Mid-Range. Euh, if the lighters in play deal 4 damage to all enemies in range. Donc, c'est essentiellement, le Oxygen Tank, c'est une. Euh, on peut ouvrir notre tank d'oxygène qu'on a sur notre dos, puis ça fait propager l'oxygène. Puis si on a un briquet. On peut lancer le briquet dans le top et ça fait une grosse explosion puis ça tue tout ce qu'il y sur la case là, qui est ennemi évidemment. Donc euh, pas mal, pas mal intéressant. Deuxième carte, euh, Energy Drink. Uh, you are immune to hunger damage until the start of your next turn. Fait que lui, il est capable boire une boisson énergétique et puis euh, s'il a, a vraiment faim, au lieu de prendre des dommages parce qu'il a trop faim. Il va être capable de ne pas prendre de dommages, puis en plus, aller piger une carte. Donc, quand même, pas payé pour le côté survie. Troisième carte, on a trouvé Flare. Flare, c'est long range. All monsters in range are attracted to you. Donc, le, le Pompi, il pogne un, un Flare, puis, puis il fait des, 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 des va-et-vient avec comme ça. Là, là tous les zombies ils voient le feu, puis ils s'en viennent tous vers lui. Fait qu'il peut tout faire, Il peut comme débloquer le chemin pour quelqu'un, puis attirer les zombies vers une autre direction. Super bonne carte. Ça, c'est un, 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 un personnage pas mal thématique côté tank. Euh, si vous connaissez les RPG. OK. Wildland Jacket, équipement de 1. Passive. Once on your turn, you may take an additional action by increasing your hunger. Fait qu'il peut monter son dé de fin de 1 et faire une action de plus. Eh, ça pourrait être utile. Cependant, j'aime pas beaucoup sa main pour être honnête. Donc, je vais, en, je vais en discuter quelques-unes là. Euh, je vais enlever le Wildland Jacket et le Flare. On va garder le Energy Drink et le Oxygène. On j'ai deux autres cartes. C'est un Mulligan qui appelle dans le jeu. Euh, donc on a pogné un Flare puis un Flare. <laughs> ça nous aide, ça nous aide pas. <laughs> ok. Fait que ça c'est notre main de départ. Je vais la mettre en haut comme ça pour l'instant euh, parce qu'on va avoir des monstres ici puis d'autres choses là. Euh, ah oh, excusez-moi, j'ai oublié de rebrasser mes cartes. On va juste remettre ça dans le paquet et le rebrasser. Juste rapido presto. Oh, 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 oh. Et voilà. Donc, euh, je vais peut-être mettre ma main de départ ici. Je pense que c'est pas dans un chemin. Vous allez être capable de voir qu'est-ce qu'on a. Ah oui, c'est les équipements que je vais mettre là, c'est pour ça. Mais ben, je vais les laisser là pour l'instant. Um, ok. Côté de la chasseuse, fait que on va brasser le paquet juste au cas qu'elle n'aurait pas trois flares. Elle aussi. <laughs> c'est impossible, ils n'ont pas les mêmes cartes. Oups. Comme mon chum Jeff dirait, ça c'est un tour de magie, un special shuffle. Alright, donc 4-4, 1-2-3-4, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des flame arrows, mid-range, donc on peut allumer nos flèches en feu et euh, les tirer dans le tas, ça fait 5 damage à un target et 3 damage à jusqu'à deux autres targets, mais il faut avoir un arc ou une arbalète euh, d'équipé pour être capable d'utiliser ça. Donc je peux pas pour l'instant, mais c'est quand même pas pire une euh, un, un motorcycle donc une motocyclette action move up to three space donc euh, la chasseuse une, euh, un personnage très mobile euh, qui a beaucoup de furtivité furtivité de neuf qui peut se faufiler aller voir qu'est-ce qui se passe avant que euh, avant que les monstres commencent apparaît, ou, 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 à apparaître ou au lieu de tomber dans un piège donc voilà camouflage très bonne carte ça coûte juste un d'équipement euh, L'action c'est on peut discarter une, un monstre cannot be used on bosses. Bon on peut pas discarter le boss évidemment uh, in front of you and replace it with a monster token. Fait dans le fond, on se cache d'un monstre. On met un token sur la tuile et on se cache, donc on ne on, on se fait pas attaquer par le monstre, mais on prend quand même trois points de dommage. Donc il euh, faut y penser deux fois. C'est bon contre les monstres qui frappent fort. Euh, et voilà, on a trouvé un arc super. Donc on va être capable d'utiliser notre. Flaming Arrows, parce qu'on vient de trouver le beau. Alors, ça, c'est une bonne main de départ. Je pense qu'on va la garder. Euh, les bonnes choses à équiper et tout, là. Et voilà. Fait que on va les, juste enlever ça. On va les mettre comme ça. Alright. OK. Fait que. Premier tour, qu'est-ce qui se passe? Ça, ici, ben, ben, si vous avez pas vu l'autre épisode, là, les, to les tokens, ça vient du jeu Dragonfire. Il y a quatre actions par personnage dans le jeu. Moi, j'aime ça mettre un token. Vous voyez, tu sais, des, des jetons de poker, n'importe quoi, des, des tokens, peu importe. Là. Euh, quand on fait une action, je la passe de l'autre côté. Quand j'ai plus d'action, je sais que le tour est fini. Parce qu'en parlant à la caméra, en pensant quest ce qui se passe, des fois, tu perds le... C'est facile de perdre le, le savoir de où on est rendu. Donc, ça, ça aide. Euh, OK. Donc, euh, c'est ça. Fait que... Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. La vanne qui est ici, elle arrive. Fait que moi je décide de venir ici, c'est le spot que j'aime. Et voilà. Euh, on se parle là. Qu'est-ce qui arrive immédiatement? Euh, la vanne a fait du bruit, fait que tout de suite deux monstres qui apparaissent. En premier, on va y aller avec le, la chasseuse. Qu'est-ce qui apparaît devant elle? Un zombie walker. quatre points de vie, ça fait deux points de dommage. <laughs> Sauf que quand on la pige, on pige un autre monstre. Oh oh! Qu'est-ce qu'elle a ici? Un zombie dog, 5 points de vie. Un chien de police, dans, tout en train de, de tourner en zombie, là. 5 points de vie et euh, ça fait 4 de dommages. Donc, euh, ça va faire mal. Et pour le pompier, un zombie soldier, <laughs> 8 points de vie, 4 points de dommages. Encore pire. Mais lui, il a plus de points de vie. Il a quand même 32 points de vie. Puis la chasseuse, elle en, en a 24. Donc, vous voyez, c'est quand même une grosse différence. Euh, fait que c'est mieux que c'est lui que ce bonhomme-là. OK, première chose qu'elle aille, je vais parler de Turn Sequence pour ne pas oublier, parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué. Euh, Spawn Monster, OK. Spawn Monsters, on roule 2 dés, OK? Boom! On cumule les dés, donc 5, 6, 7, 8. Et on regarde si on a le chiffre 8 sur une des tuiles. On ne l'a pas, on a juste un 6 sur la minivan. Donc on n'a pas plus de monstres qui apparaissent. Une chance parce qu'il y en a déjà pas mal sur la table. Ensuite, on pige une carte. Bon, on va décider qui va commencer. On va commencer avec la chasseuse pour faire essayer de faire plus de dommages possible. Donc, euh, on pige une carte immédiatement. On a trouvé le backpack. Super cool. Ça coûte zéro équipé, Ça nous donne plus un euh, d'équipement total. Si on décide de l'équiper. Bon, on a quatre actions. Les actions qu'on peut prendre, c'est bouger une case. Puis j'ai une carte, jouer une carte ou prendre une action au scavenge. Scavenge, c'est quand on est dans une location, on peut aller voir dans le deck de la couleur appropriée pour trouver des choses. Il y a trois couleurs, il y a du bleu, du vert, du rouge. Du rouge, il y a plus de chances de trouver de l'essence. Le vert, il y a plus de chances de trouver de la nourriture, des choses de survie. Et le bleu, il y a plus de chances de trouver des équipements et puis euh, des armes, des choses comme ça qui vont vous aider euh, durant la partie. Cependant, euh, chaque location a la possibilité d'avoir de l'essence ou de la nourriture ou juste un peu moins que les autres si ce n'est pas de la bonne couleur. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Euh, on va tout de suite équiper ces choses. Fait que Je vais juste enlever les cartes ici parce qu'on va mettre les, les équipements euh, en bas. Ça va aller mieux. Fait que, Tout de suite, ce que je vais faire, je ne vais, vais pas mettre le backpack tout de suite parce que je n'ai pas besoin de l'espace. Mais c'est sûr qu'on va équiper notre, notre bow and arrow. Donc, elle, elle a son bow qui donne une action mid-range qui fait deux damage à un target. Ça pourrait faire deux damage tout de suite à quelqu'un. Euh, même que... Même que... Si j'utilise cette action-là trois fois, on va faire 2, 4, 6. Puis on a 4, on a 5. Je pourrais tuer le zombie, ça ne sera pas assez. Si j'utilise le flaming arrow, qui est ici, on, on l'équipe deux. OK, ça, c'est ma première action, c'est équiper l'arc. OK, on, on passe ici. Deuxième action, on va équiper... Le Flame Arrow. Le Flame Arrow, elle vient avec trois munitions d'essence. Donc les trois munitions d'essence, on a des tokens ici, en forme de bidon d'essence, pas mal cool. On les met sur la, la flèche. puis C'est le nombre de fois qu'on peut l'utiliser euh, avant qu'on qu n'ait qu plus, qu on, qu on plus de, de, de combustible pour faire le feu. Donc euh, pour ça c'est ma deuxième action. Troisième action. Euh, deal 5 damage to a target. Fait que je pourrais tirer le chien. Avec cette flèche-là, ça va le one-shotter parce que lui, il a 5 points de vie. Puis la flèche, elle fait 5 de damage. Et ensuite, ça fait 3 de damage up to 2 additional targets. Fait qu'elle fait 5 là puis 3 là. Ok, parfait. C'est ça qu'on fait. Fait qu'on on, on gaspille une de nos euh, combustibles, une de nos balises d'essence. On tire la flèche. Le chien, il pogne en feu. Lui explose, lui il est out de la game. Ah oh non, faut pas out de la game. On garde sa carcasse, c'est important, c'est pour la mission. Il en faut deux. Fait qu'on va la mettre sur la mission à côté, euh, juste comme ça, de la, de la carte de mission. OK. Puis lui, le zombie qui est là, il prend trois points de vie. Il prend trois points de dégâts, pardon. Boum, boum. Fait qu'il en a juste un. Ça, c'est ma troisième action. Et ma quatrième action, euh, on va faire l'action normale avec le beau qui ne coûte rien de spécial. Il n'y a pas de, de, de token. C'est deal deux damage à un target. Donc, on va y aller avec euh, une flèche sur le zombie pour le, pour le tuer. Pow! Fait que ça, ça le tue. Et voilà, ça commence quand même à bien. On a déjà un quart d'un chien, un quart d'un Walker qu'on a ici. Et on n'a plus personne devant elle pour l'attaquer parce que là, son tour va finir le plus d'action. Cependant, on continue euh, la carte de référence. On a des free action qu'on peut faire. On peut discarter deux cartes une euh, rpg une. on pourrait partager des cartes avec quelqu'un d'autre sur le fait de scavenger ce qu'on n'a pas et on peut euh, mettre l'essence dans la vanne. Bon, on n'a on, on on pas ça. Le dé que j'ai ici sur la carte, euh, si vous vous en rappelez de l'autre épisode, c'est le, le dé de, de fin. Donc, on commence à 1, notre fin vient de passer à 2. Donc, le temps passe, on commence à avoir plus fin. Euh, end of turn, take damage. Bon, j'ai pas de monstre devant moi, je prends pas de damage, j'ai pas... Super fait encore, je prends pas de dégâts de ce côté-là. Donc, le son tour réel est terminé. Fabuleux, ça a quand même bien été. Sauf que là, on s'en vient au pompier, et le pompier, lui, n'a pas d'arme pour se défendre. À part son, son habileté à, à lui, c'est euh, de faire deux points de damage. Donc, pas qu'ils son gros point, pow, Il peut faire deux damage à un target. Fait, s'il si utilise ces quatre actions au total, il va être capable de donner quatre points au Zombie Soldier qui a huit points de vie. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. Ça, c'est assez pour le tuer. Euh... Soit que je fais ça, puis je prends pas de dommages. Je pense que c'est ce que je vais faire, honnêtement. Ou je pourrais y aller un peu plus euh, gamb gambler et être capable d'aller échanger des cartes et des choses comme ça. Mais peu importe, on a quand même le droit de piger une carte, OK? Euh, fait qu'allons-y. On pige quand même notre carte. Boom! On vient de trouver notre hache. C'est un miracle. OK. Fait que... On va l'équiper tout de suite, ça coûte un point d'action. Euh, ce que ça fait, c'est que ça fait quatre points de damage par fois qu'on l'utilise. Donc, comme, comme que j'ai fait avec le, la chasseuse, je vais enlever mes cartes ici. On va mettre les équipements. Ok, fait qu'on a le trusty axe. Euh, on va aller donner deux actions de suite avec la hache. Tatao! On donne deux coups de hache dans le zombie. pau pau Puis euh, ça le tue. Donc, on est rendu avec un corps de chien, un corps de walker, un corps de soldat. Il nous en manque un de ces trois-là, puis deux du, du spitter. Puis on va avoir tous les corps qu'on a besoin, mais il faut aussi trouver quatre bidons d'essence. Donc, la partie n'est pas encore gagnée. Euh, OK, donc ça, c'est là. Là, j'ai une, une autre chose que je peux faire. J'ai une autre action. Euh, les cartes que j'ai dans les mains, euh, c'est pas vraiment utile pour l'instant. Je pourrais peut-être me débarrasser des de mes deux fleurs puis j'ai d'autres choses mais tu sais quoi je pense que je vais bouger à la place pour aller explorer euh, pour voir qu'est-ce qu'il y a en avant ou oh, c'est ça tu être mieux d'attendre puis de faire recon avec l'habilité spéciale hmm. non tu sais quoi je vais y aller fait qu'on va faire on va faire l'habilité euh, move one space qui coûte un point d'action puis on va bouger notre pompier ici donc euh, allons voir qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé une ferme, euh, la ferme avec un chiffre 3. C'est un endroit où on peut trouver beaucoup de nourriture. Et ça dit que quand on révèle la tuile, on peut faire un scavenge gratuitement. Donc, fabuleux. Pas de danger. À date. Fait que lui, il est rendu là. Puis un scavenge, c'est simple. On va piger la carte de la même couleur qui est ici, donc c'est euh, vert dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On... Oh, on a trouvé de la nourriture. Donc, si on bouffe cette nourriture-là pendant notre tour, ça, co... euh, ça coûte une action, ça? Je pense que. ouais, oui, si je jouer une carte, ça coûte une action. Euh, ça, nous, ça nous réduit le, notre faim, notre hunger de 2 points. Puis les cartes changent, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, donc celle-là c'est 2, c'est quand même pas pire. Donc ça vient dans sa main, ça fait que ça va être bon pour plus tard. Ok, donc ça termine... Son tour à lui, sauf que là j'ai une question. Le monde, le spawn monster, il était dessus avant... Je pense, je pense qu'il faut jouer, je, joue, je m'en rappelle plus, là, je, 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 je pense que le spawn, ouais, spawn monster c'est avant... Chaque personnage, n'est-ce pas? Effectivement, euh, j'ai complètement oublié de faire spawn monsters euh, tantôt. Fait que on roule. On a déroulé un 7. Donc, on est chanceux, ça n'a rien changé à la partie. Il n'y avait pas de 7. Mais si j'avais roulé un 6, il y avait un monstre de plus qui s'est apparu sur la vanne qui s'est venu attaquer le pompier. Donc, il aurait peut-être fallu que j'en recommence. Mais c'est pas grave, on est safe. Au moins c'est réglé. On continue de bon train. OK. Euh, donc, maintenant, on revient ici à la chasseuse. La première chose qu'on fait, c'est spawn monsters. Boom! On a roulé un 5. On n'a pas de 5. On est chanceux. Euh, OK, donc on pige une carte. On vient ici avec nos cartes. On pige notre carte. On a trouvé une machette, ça coûte 1 équipé. Euh, ça nous laisse faire 3 points de dommage à un target. Mais juste à short range. Tandis que le beau, lui, c'est à mid-range. Donc à mid-range, si vous regardez ici, là, sur le range euh, card. Ça dit que c'est ça, mid range c'est orthogonal en haut, en bas, à gauche, à droite, et puis short range c'est vraiment sur la même tuile que toi. Donc c'est un mêlée dans le fond. Ok. Ok. Donc euh, je pense qu'avec elle, je vais y aller avec. Euh On y va dire que avec le monocycle aussi. Oh, c'est est peut-être. Est-ce que c'est mieux de rester ensemble? Backpack, pa pa pa. On a une limite de quatre d'équipement. Move up to three space. Fait qu'elle, peut bouger loin. Mais lui, il a juste deux essences. Ça prend de l'essence pour bouger. Oh boy. Euh, je pense que c'est sûr. On va équiper la machette. Ça va être utile s'il si y a quelqu'un qui se spawn sur nous pour un point d'action. Donc, on vient de trouver une machette, on l'équipe. Euh, le camouflage, ça pourrait être utile. Sauf que je vais attendre. Le backpack, je ne vais pas le mettre tout de suite. Je suis déjà à trois d'équipement. Fait qu'on va aller rejoindre notre, euh, notre partenaire. Donc, un token. On s'en va le rejoindre à la ferme. On s'en vient ici. Comme ça. Puis on va faire un scavenge, vu qu'on est là. T'sais. On va essayer de trouver euh, peut-être de l'essence, quelque chose qu'on a besoin. Cloud. OK. Nous autres aussi, on a trouvé. Oh, j'ai de monter l'hunger ici, pardon. Du, euh, du perso à la fin du tour. Euh, OK. Donc, j'ai trouvé un faux. Tu vois, lui, ça dit Reduce Hunger by 1. Fait que c'est moins bon que l'autre, mais c'est quand même utile euh, pour plus tard. Euh, tch, 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 je celui-là, je fais-tu « Recon »? Ok, on va utiliser son habileté spéciale qui s'appelle « Recon ». Ça dit que « Reveal deux adjacent map tiles without triggering their effect ». Je vais être capable d'aller voir qu'est-ce qu'il y a sur, soit cette tuile-là, cette tuile-là, cette tuile-là, deux de ces tuiles-là plutôt, euh, de mon choix. Puis s'il y a quelque chose, ça dit « When revealed », puis que ce soit négatif ou positif, il n'y a, a rien qui se passe. Donc, euh, c'est bon pour euh, éviter d'avoir des surprises. Fait qu'on va y aller avec euh, la tuile du Nord. On va voir c'est quoi qui est ici. Ok, c'est une rivière numéro 11. Euh, si on va à la rivière, on fait un test. C'est-à-dire que si on succède le test, on peut, on peut passer la rivière. Donc, on réussit à passer sur des bio, bien des roches qui sont dans, dans l'eau. Le, le, Et si on fail le test, donc euh, on ne peut pas passer la rivière, on revient sur nos pas. Donc, ça peut nous bloquer potentiellement. Deuxième place qu'on va aller voir avec le recon, c'est ici. Oh, on a trouvé la Police Station. Ok, la Police Station, euh, ça dit Free Scavenge avec Reveal, malheureusement. Euh, mais ça sert à rien pour nous, mais c'est du bleu. Donc on peut trouver des, des, peut-être des, des fusils, des choses, des munitions des choses comme ça. Euh, numéro 6. Fait que là, j'ai deux numéros 6 sur la map. Ça peut être risqué de commencer à rouler des 6. On espère qu'on n'en pogne pas. Ok, donc ça c'est ça. C'est la dernière action avec Recon. Euh, fait qu'ensuite euh, Free Action. Uh, trade, 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 fuel, vent, drop, blablabla. Non, ok, on monte à 3 de Hunger. Fait qu'on commence à penser à peut-être manger euh, autour qui s'en vient. OK. Prochaine personne. On vient ici, on se prend les monstres pour un 6.6. Un, un 8. Il y en a pas de 8, on est chanceux. Fait qu'on continue notre euh, notre promenade. À date, euh, il n'y a pas trop de monstres. On a trouvé un lighter. Ça, ça pourrait être utile avec notre. Euh, avec notre Oxygen Tank, comme que je disais plus tôt, on met l'oxygène partout, on lance un bliquet dans le top. Pow! Ouais. Ouais. Ça pourrait être très bon. Puis même, même sans l'oxygène, ça, c'est déjà euh, deux damage sur all monsters in range. Fait que tous les monstres qui sont sur ta tuile, ils pognent deux. T'en allumes un, puis le first propage sur toute la gang. Fait que c'est quand même bon. On va l'équiper dessus, ça pourrait être utile. Donc ça, c'est mon première action. Euh... Ok. Prochaine action, on va bouger à la station de police. Fait qu'on s'en vient ici. Troisième action, on va faire un scavenge dans le deck de bleu. Parce que c'est ça la couleur. Empty handed, donc on a, on a trouvé absolument rien. Grosse station de police, mais on a rien trouvé. Euh, ok, fait que discard, on va les mettre ici pour l'instant. Il nous reste une action. Euh, je vais y aller encore, je vais faire un autre scavenge. Let's go. OK, on a trouvé des spare parts. Les spare parts, euh, ce qu'ils font eux, c'est que nous laissent aller chercher une carte dans notre défausse. Donc si on a joué une bonne carte, maintenant trusty axe, on la perd, peu importe, on voudrait l'avoir, on peut dé dé défausser cette carte-là pour aller chercher elle à la place, la remettre dans nos mains. Donc euh, super utile d'avoir ça. Euh, surtout si on utilise par exemple le Oxygen tank, on fait une grosse explosion, on peut aller la rechercher avec le, le spare parts. Donc c'est comme si on avait une, euh, un, un morceau, puis on arrange la bédule, puis on peut le réutiliser. OK, donc euh, ça termine son tour. On monte le hunger à 3. Donc vous voyez, ça se joue quand même assez simple. Il n'y a pas encore beaucoup de zombies sur la map. Mais plus que les tuiles vont se faire découvrir, vous allez voir plus que ça va se corser. Mais moi, il faut que j'en trouve des monstres. Je n'ai pas le choix. C'est ça but, le but. de la mission, c'est d'avoir deux euh, carcasses de chaque monstre. Donc, euh, il faut continuer à explorer et essayer d'en trouver. OK. Euh, le hunger, il monte à 4. Il ne faut pas l'oublier. On l'avait oublié au dernier tour. Il faut commencer à, à penser à bouffer. Ça serait bon que le hunter eu son skill qui, qui, qui baisse le hunger à tout le monde, tous les joueurs de, de 1. Ça serait très utile. Donc on revient ici, Spawn Monsters, let's go. Oh un 7, on est correct. Je pensais que j'avais vu le 6, je me suis, j'ai fait comme oh non. Euh, ok, regarde. on pige notre carte. Un autre beau. Euh, donc euh, pas vraiment utile pour l'instant. C'est euh, quoi On va faire, euh, elle aussi elle va, elle va faire un mouvement. Elle va aller rejoindre le pompier dans la police station. On va faire un scavenge avec la deuxième habilité, euh, par la deuxième action. Encore de la bouffe, tu vois. Reduce Hunger, ben 3. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Euh, je ne l'utiliserai pas tout de suite parce qu'on est à 3. Mais au prochain tour, quand on va être à 4, on va tomber à 1. Donc, ça va être quand même bon. Euh, tch, 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 tch. Puis le max de cartes qu'on peut avoir dans les mains, c'est 10. Donc, euh, pour l'instant, je suis correct. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ah euh, oh oui, aussi, si vous ne le savez pas, la limite de Scavenge, c'est 1 par endroit. Donc, je ne peux pas continuer à faire euh, Scavenge. Malgré que je pense que je l'ai fait deux fois avec le, le pompier, c'est une erreur. <laughs> Désolé. Um, OK. Sais-tu quoi? On va rendre ça legit. On va rendre ça legit. J'ai trouvé des spare parts. Parce que c'est une petite erreur. On va remettre notre food de trois sur le deck. Puis on va donner notre spare parts au Hunter. C'est comme si on venait d'arranger notre erreur. Tout le monde est content. <laughs> Euh, sauf que lui, il a eu une action de plus là, à son tour, mais on va l'oublier, peu importe. Peu importe. Euh, OK, euh, j'utilise encore euh, Recon. Donc, on y va comme ça. Pau, on y va avec cette tuile-là encore. On va essayer d'aller le plus loin possible. Wow, on se calme. On a trouvé un tunnel. Donc, un tunnel qui pourrait être un shortcut pour aller euh, de l'autre côté du tunnel si on est capable de trouver l'issue, euh, la sortie ailleurs. Super, super cool. Euh, on vient d'avoir tout au nord encore. OK, on a trouvé un shelter. Donc, ça, c'est une cabane dans laquelle on peut se cacher. C'est bon avec le, le pompier, par exemple. Si le pompier a son flair, puis tous les monstres s'en viennent vers lui, il peut se sauver dans la cabane. Ça le euh, immunisé pendant un tour contre tous les monstres. Donc, il vient de sauver tout le monde. Ça donne la chance aux autres joueurs, peut-être, de passer, de sauver, euh, de faire quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est utile de les trouver. Euh, mais si tu te laisses là, un deuxième tour, ça fonctionne pas. Donc, t'es obligé. Je pense que ça, ça dit même faut-tu beau, ça dit, euh, when you end your turn here and started your turn elsewhere. Non, tu peux rester là, mais t'es pas immune au damage la deuxième fois. C'est comme si les monstres, ils ont encerclé la bâtisse, ils ont brisé les portes, ils sont en train de rentrer. Ou les fenêtres. Ok, donc ça, c'était des recon avec son habileté à elle. Euh, Puis, puis 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 je pense qu'on va séparer les deux pour l'instant on va envoyer le pompier par là puis on va envoyer la Huntress vers le nord fait que let's go on se sépare c'est risqué mais on le fait quand même fait qu'elle va aller ici avec son dernier move son hunger monte à 4 à la fin du tour puis elle prend pas de dommage ça revient au pompier on roule avant pour voir s'il y a des spawns oh non, on vient de rouler un 6 on vient de rouler un 6 fait que là, il y a un monstre, il y a un, il y a un monstre qui, on sait pas c'est quelle sorte de monstre, donc on va mettre un token qui spawn sur la vanne. Puis on a un monstre qui spawn à la station de police. Sauf que parce que le pompier est là, une chance que la, la chasseur, elle est partie. Parce que le pompier est là, il y a un monstre qui spawn devant lui. Brrr, fait que le monstre, il vient de sortir. Ah, un spitter, justement, ce qu'on voulait. Oh, 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 mon dieu, j'échappe tout. Qu'est-ce qui se passe? Un zombie spitter. Fait que le zombie Spider vous voyez, il est, euh, est mid-range, fait qu'il est capable d'attaquer de loin. Ça dit, deal damage to all players in range. Ah, malheureusement tu vois, elle est capable de m'attaquer parce que je suis là, fait qu'elle peut... <laughs> ça va, ça va mal. Ok, fait que il faut la tuer avant la fin du tour, sinon elle va frapper les deux personnages. Ok. Quand même assez simple, juste 6 points de vie. Euh, J'ai déjà la hache. Vraiment, vraiment, vraiment pas un problème de s'occuper de ça. On pige notre carte. On vient de trouver un shotgun! Wow, j'ai jamais eu cette carte-là. C'est incroyable. Mid-range, ça fait 3 damage à un target et 1 damage à tous les autres targets devant, devant soi. Donc, c'est comme si les, 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 les shots font Ok, euh, 4 balles sur l'équipe. Ça pourrait être utile pour plus tard. Je vois pas quoi d'autre que je pourrais équiper, mais. Euh... Euh, c'est sûr qu'il faut tuer le monstre. Pour tuer le monstre, ça me prendrait deux attaques avec ma hache. Donc, deux actions. On va y aller avec ça. Deux actions pour faire quatre points de dommage. Ça tue la Spitter. Donc, elle ne sera pas capable de nous attaquer. Euh, fait qu'elle a son ici, comme ça. Fait que là, on a une carcasse de chaque type de monstre. Ça nous en faut un autre. Quatre bidons d'essence. Puis, on sauve. Puis, on a fini la mission. Euh, ça, c'est deux actions. Il m'en reste deux encore. Hmm. Je veux faire un scavenge. Je me demande qu'est-ce qu'on va trouver. Oh, du food! Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. <laughs> Reduce hunger de 3. Donc, euh, ça, c'était son action ici. Puis, tu sais quoi? On va l'utiliser, la carte. On va l'utiliser tout de suite. fait que ça va dans le discard et on baisse l'hunger de 4 à 1. Donc, il a trouvé des palettes de chocolat. Peu importe. Des, une, une station de police. Il a trouvé des beignes. Du mont Si vous êtes du Québec. Euh, ok, donc ça c'était euh, son dernière action d'utiliser la bouffe. Alors ça termine son tour, il ne prend pas de dommages. On remet ça ici, son hunger monte à 2. On est correct, on revient au hunter. Donc avant de rouler, on y va comme ça, on a roulé un 11. Y a-tu des 11 Oui, il y a un monstre qui commence à spawner sur la case de la rivière. Donc vous voyez, là, les monstres commencent à apparaître un peu partout pendant que j'essaie de faire ma mission. Ça, c'est peut-être pas mon avantage d'aller super loin, malgré que j'aimerais ça trouver peut-être une station service ou euh, un autre endroit qui aurait une, euh, une icône de scavenge rouge, donc plus de chances de trouver de l'essence. Il me faut encore quatre balais d'essence, il ne faut pas oublier. Puis les balais d'essence, il faut les équiper. Faut pas oublier ça non plus, puis ça, je pense que ça coûte un point d'équipement, euh, puis on a un maximum de quatre. Donc euh, ça va être un petit peu complexe. Il va falloir qu'on retourne à la vanne, mettre de l'essence, peut-être retourner en chercher d'autres. Euh, fait que hey on va voir, on va voir en genre qu'est-ce qu'on va décider de faire, mais c'est ça le, un peu quest ce qui va, qui va se passer d'après moi. OK. Fait que euh, on continue. Fait qu'on y va. Bon. On pige une autre machette. Wow! OK. Là, j'ai juste du fou de 1. Je peux pas faire de scavenge ici. Je vais faire un recon. Donc, première, on fait un recon. Fait qu'elle commence à regarder un peu partout, puis elle trouve qu'est-ce qu'il y a par là au nord. On a trouvé une autre rivière avec un numéro 10 pour les zombies. Puis de ce côté-là, on a trouvé un open field. Donc, ça c'est pas pire parce que si on aurait tombé dessus, euh, le open field il spawn un monstre immédiatement. Puis si on finit notre tour dessus, il y a un autre monstre qui spawn. Donc c'est parce qu'il y a un grand endroit, puis il y a beaucoup, beaucoup de monstres qui, qui se promènent là. Euh, donc, c'est bon euh, d'avoir trouvé cette pièce-là avec Recon parce que le Reveal qui amène un monstre ne, ne se produit pas. Alors, on oublie ça. Euh, sauf qu'on sait que si on va sur cette tuile-là, il faut pas finir notre tour-là, sinon il va y avoir un monstre. Il va falloir peut-être faire comme uh, « tink tink ». C'est ça qu'on va faire. Fait que deuxième action, on va bouger dans le Open Field. Troisième action, on va faire Recon encore. On va voir qu ce qu'il y a ici. On a trouvé l'hôpital avec un icône rouge, fabuleux. Euh, quand on rentre, on a point un point de vie si on en a perdu. Quand on finit notre tour, on reprend deux, deux points de vie qu'on finit notre tour sur la case. Donc, c'est comme si on restait dans l'hôpital puis on, on, on se repose dans le fond. Euh, puis ensuite, recon, deuxième case, on y va ici. Oh, Un autre icône rouge, là, oh, est, on est chanceux. La station service gas station revealed free scavenge. Malheureusement, euh, on a fait recon, donc ça ne compte pas. Euh, dernière habilité, on s'en va de la de, de location parce que je veux pas qu'il y ait de monstres qui m'arrivent dessus à cause de l'effet de la tuile. On s'en va au gas station. On termine le tour là, on est rendu à 5 de hunger, fait il faut vraiment commencer à penser à manger. Dans nos mains, euh, j'ai une pomme ou peu importe qui enlève un de faim. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Okay? Fait que Il va falloir qu'on trouve quelque chose au plus vite. On revient au pompiers. On roule les dés pour les monstres. Un 10. Est-ce qu'il y a des 10 sur les, le plateau de jeu? Oui, on a un 10 sur la rivière. Donc, un autre monstre qui se promène ici, qui est pogné dans, dans, dans l'eau. Um, OK. Donc, that's it. Première chose qu'on fait, on continue un autre scavenge. On fait le scavenge. On veut, on veut trouver un bidon d'essence. Oh, yes! On a trouvé un bidon d'essence. Fait que ça dit equip immediately as a free action ou discard. Donc c'est gratuit l'équiper sur le personnage. Ça coûte un point d'équipement. Les personnages ont une limite de 5, sauf s'ils ont un sac à dos comme la chasseuse, la huntress est capable d'équiper. Um, si on l'équipe pas tout de suite, si on n'a pas d'espace, on ne veut pas le prendre, on le perd. Il est out. On le sort. Fait que, moi je la prends. Donc on l'équipe immédiatement, ça coûte rien. C'est notre quatrième item. On a, on aurait eu le choix, par exemple, si on, a, on aurait été plein, de discarter un de nos équipements et mettre un bidon d'essence à la place. Ça, c'est correct. Euh, fait que là, on a un bidon d'essence. Fait que peut-être, que vu que je suis proche de la vanne, je vais peut-être aller le mettre dans la vanne. Euh, première action, c'était scavenge. Deuxième action, il va y avoir un monstre à se battre contre, par exemple, à la vanne qui nous attend. Euh, ça serait peut-être une bonne idée aussi d'aller les tuer tout de suite. Ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Ah, on va y aller. Fait que let's go. On s'en va vers la vanne. On bouge de 1. On est à la ferme. On va faire un scavenge. Vu qu'on est là. On va faire une petite fouille vite, vite, au cas qu'on trouve de quoi de bon. Ah! Oh, un autre bidon d'essence dans, dans le deck vert fabuleux. Là, il faut que je l'équipe, mais j'ai un maximum de 4. J'ai deux pour la axe, un pour le lighter, un pour le fuel. Fait que je vais enlever mon lighter, je veux pas perdre mon arme. Fait qu'on perd notre lighter, ça va dans notre défausse qui est ici. On va le mettre de côté pour se mélanger. Euh, puis là, il me reste juste une action. Je pourrais bouger, mais si je finis mon tour là-bas, je n'aurai pas d'action pour m'attaquer, puis le monstre va sûrement me, me faire des blessures. Donc, on va rester là pour le tour. Cependant, qu'est-ce qu'on peut, on peut, on peut faire On peut piger une carte pour une action. Scavenge, je l'ai déjà fait. Fait qu'on va picher une carte. Avec la dernière action, on n'a pas le choix. Il faut utiliser les quatre actions. On y va, on piche une carte. On a trouvé le Fire Extinguisher. Donc, le Fire Extinguisher, c'est short range. Ça stun tous les monstres. Jusqu'au début du prochain tour. Wow! Donc, ça, ça l'empêche les monstres de vous faire des dommages à la fin de votre tour. Au prochain tour, ça revient à la normale, ça dure un tour. Donc, c'est pas mal, pas mal cool. Pas mal cool. 1, 2, 3, 4, 5 chandues à 7 cartes dans mes mains. Euh, on monte le Hunger à 3. On revient à la Hundress. Fait que première chose, on roule. Oh shit, on a roulé un 6. Exactement ce qu'il ne nous fallait pas. Fait que là, il y en a une coupe des 6. Il y a le Open Field, il y a un monstre qui vient de spawner là. Il y a le police station, un monstre qui arrive là. Puis là, malheureusement, un deuxième monstre qui va attendre le pompier à la minivan. Ouh! Oh, aïe, Fait que peut-être qu'il va falloir que je revienne en renfort, mais après avoir trouvé de l'essence dans ces endroits-là, au moins. Là. Euh, tu vois, lui, il y en a deux. Si je prends deux autres bidons, puis que je suis capable de les équiper, j'ai un, deux, trois, quatre, puis j'ai mon backpack ici. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Première action, on va équiper notre sac à dos. Ça va nous donner un cinquième point d'item. Donc, on peut mettre jusqu'à cinq points d'item sur notre personnage. Deuxième action, vu qu'il n'y a personne sur les lieux, on n'est pas en combat. On va, on va aller faire un scavenge dans la station service. On espère trouver de l'essence. On a trouvé de la nourriture. Pas pire, parce que c'est quand même quelque chose qu'on avait besoin. Euh, quelque chose qu'on avait besoin que je vais utiliser immédiatement. Donc, pao! On utilise la carte de trois foods. Et puis, on baisse à 2 de Hunger. Euh, OK. fait qu Il nous reste un action. Je ne peux pas faire d'autres scavenges, mais j'aimerais ça rester sur les lieux pour trouver euh, un bidon d'essence dans ce deck-là. Je pourrais peut-être, euh, tant qu'à y aller, faire un recon, voir si je pourrais me faufiler par là pour aller à l'hôpital, au lieu de passer dans l'open field. Euh, si je décide d'y aller, malgré que je pourrais juste rester dans le gas station. Hum, mais il faudra peut-être avoir de quoi de bon ici aussi. Fait que, on va utiliser de l'habitude, on va faire un recon, on va voir ce qu'il y a. Fait que si on a Grocery Store, donc Reveal, Free Scavenge, avec euh, plus de chances de trouver de la bouffe. Puis on va y aller, tu sais quoi, on est d'aller au nord, on va regarder au sud pour peut être pour être capable de se sauver pour tourner à la minivan. C'est peut-être euh, une façon de trouver une issue de ce, de ce cours. Ça, c'est l'autre, c'est que ce soit le tunnel. Le tunnel, il est là, il est là. <laughs> oh, le graveyard. Reveal. Every, every player must draw a monster. OK, c'est bon. Ça, c'est un, une espèce de piège. Tu trouves un, un, tu trouves un, un cimetière, puis les, monstres, les zombies commencent à sortir de la terre, puis tous les joueurs pigent un monstre. Donc, on vient, on n'est pas obligé de le faire parce qu'on a utilisé Recon. Donc, on est chanceux. Ça devient juste une tuile normale avec un 4. Cependant, il y a deux 4 collés ici. Donc ça pourrait bloquer notre tissu notre, euh, notre vers la minivan si on commence à rouler des 4. Euh, OK, notre hunger monte à 3. On n'a pas de damage devant nous. Ça fait que on revient à notre chummy le pompier. On roule. On a roulé un 8. Est-ce qu'il y en a des 8? Non, j'ai pas de 8, ok, fait qu'on a un taux chanceux avec ça. On va faire immédiatement avec le pompier un scavenge. On va aller voir dans le deck vert qu'est-ce qu'on va trouver. Encore de la bouffe. Encore de la bouffe. C'est pas surprenant parce que vert, c'est un endroit qui a plus de chances de trouver des items de survie. Tu as peut-être un bidon d'essence dans le deck au complet. C'est peut-être un deck de 12, 15 cartes, donc il a pas beaucoup de chances. Mais c'est quand, quand même bon à voir malgré que j'en ai, ai beaucoup. là. Euh... Oh, 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 attendez une minute là. Moi là, j'ai mon, mon briquet. J'ai mon oxygen tank mid-range. Je pourrais pitcher mon oxygen tank puis mon briquet dans le tas jusqu'à la minivan puis tout faire exploser. Waouh. Est-ce que j'ai encore mes spare parts? Oh non, c'est vrai. C'est l'autre personnage qui a les spare parts. Donc, je ne peux pas faire ça. Waouh. Malheureusement. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, on va bouffer. On va bouffer. Fait qu'on bouffe de, de, de deux. Fait qu'on prend action. On baisse à un. On baisse à un. On va aller piger une carte en espérant qu'on prenne un autre bliquet. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça, c'est ma huitième. Un, un autre flair. <laughs> Je te dis que son arsenal aux pompiers, là. Euh... <laughs> <laughs> OK. Euh, dernière carte, c'est du quoi? ouais, let's go. On va aller piger un autre. Comment? Donne-moi un autre lighter. Boom! Un fire helmet. Réduit les dommages causés à notre personnage par un si on est capable d'équiper. Donc on n'a plus d'action, on ne peut pas. Ça coûte quand même un point d'équipement. Je n'ai pas d'espace de toute façon. Euh... Oh il bien y penser. Je n'avais même pas d'espace pour le briquet de, euh, de toute façon euh, aussi. OK. Ça termine, on prend pas de points de dommage. Les Hunger monte à 2. On revient ici, on roule. On est rendu à 10, donc vous voyez, le jeu commence à accélérer. Euh, des 10, des 10, des 10. Oui, il y a la rivière là-bas qui va avoir un token. Le maximum de tokens sur une tuile, c'est 3, by the way. Boum boum boum. OK. On y va tout de suite avec première humilité. Scavenge. Pow! Et on a trouvé de l'essence. Super! Fait qu'on l'équipe immédiatement. Un, deux, trois, quatre points d'équipement. Il nous reste encore de l'espace pour un autre. Il nous reste encore de l'espace. <coughs> euh, on va y aller les yeux fermés pour essayer de se rendre à l'hôpital. On y va les yeux fermés. On, on s'en va explorer cette tuile-là. C'est un gamble. Ah, shit. C'est une forêt qu'on a trouvée. Quand qu on, on rentre dans la forêt, ça dit ici stop. Si vous bougez encore ce tour-ci, vous pigez un monstre. Donc, j'ai un choix à faire. Est-ce que je bouge et je pige un monstre? Dans le fond, moi, je veux me battre contre les monstres. J'ai besoin de me combattre. Ça me prend des carcasses. Puis, je vais être dans l'hôpital. Donc, si je prends des dégâts, ben. Je peux la prendre ma vie au prochain tour pendant que je fais mes scavenges. C'est comme ça que ça va fonctionner. Enter hand si je finis mon tour-là. Faites-tu quoi? Sais-tu quoi? Je vais y aller. Je perds mon habileté. Je bouge ici. Pow! If you move again this turn, draw a monster. Fait qu'un monstre qui nous attaque. Wow. Un zombie walker. Donc on est chanceux, on n'a pas un facile que 4 points de vie. Euh, nous, qu'est-ce qu'on a? Comme âme, est-ce qu'on pourrait le tuer euh, en un coup? Notre machette a fait 3 points de dommage, c'est pas assez. Notre euh, Notre Arc fait 2 points de dommage, c'est pas assez. Cependant, si on utilise un autre Flame Arrow, ça pourrait le tuer d'un coup puis ça m'évitait de prendre des points de dégâts. Sauf qu'il frappe juste de deux. C'est du quoi Je vais le frapper juste avec la machette. Je vais y mettre trois points de dommage puis je vais être capable de le tuer au prochain tour. Même si je me fais frapper de deux, si je finis mon tour dans l'hôpital au prochain tour, je ne pas mes deux points de vie. Donc c'est pas une grosse, un gros danger. Alors euh, dernière action. On utilise notre machette, on fait un coup de machette qui fait 3 points de dommage. 3 points de dégâts aux zombies Il lui reste un point de vie. OK? Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Hunger monte à 4. Ça commence à être sérieux. Est-ce qu'on a de la bouffe? On a un 1. On a un 1. OK. Pompier. On roule. On a des 4. Oh non. Il y en a beaucoup des quatre, là. C'est ce que je disais tantôt, ça va bloquer nos chemins. Faites-là, oh, une chance que je suis parti de la station service. Il y a un, il y a un, un zombie qui vient d'apparaître. Le graveyard, il y a un monstre. Le tunnel, il y a un monstre. Oh boy! OK, ça me prend un autre bidon d'essence, puis ensuite je pense qu'on peut commencer à s'en aller vers la minivan. Puis se battre un peu plus dans ce, dans ce coin-là en espérant qu'on paye des carcasses qu'on a besoin. Donc, après le Zombie Walker, ça va nous prendre un Zombie Dog, un Zombie Soldier puis un Zombie Spitter. Donc trois autres monstres différents. Euh, OK, donc ça, ça vient de spawn ici. 4, 4, 4, 4 je n'ai pas oublié. Non. Tout est beau. Euh, OK, on vient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Donc, on est rendu à 10. First aid kit. Faites lui, il est capable de. De mettre un bandage sur un joueur et faire un Restore 4 de vie, soit à lui ou à quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même pas pire. Vous voyez, c'est un tank là en même temps. C'est une bonne classe à jouer, super le fun. Euh, les flares, ça pourrait être utile. Je pourrais faire un flare et me sauver dans le shelter. Ça serait faisable. All monsters, dans le fond, tous ces monstres-là, ce monstre-là, ce monstre-là, ils viennent tout piou, sur, le, sur le bonhomme. Il se sauvent ici avec un tour. Puis ensuite, ils pourraient utiliser son. Son combo avec ça. <laughs> J'ai pas de place pour l'utiliser, mais vous, vous voyez qu ce que j'essaie de vous dire. Vous pouvez faire vraiment des bons combos avec le pompier, vous pouvez attirer tout le monde et toutes les faire exploser. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Euh, J'ai quand même un stun. J'ai un stun tu sais, qui pourrait être bon quand on va rentrer dans la vanne, comme ça, on prend pas de dommages. Euh, tchut tchut tchut. Je vais m'en aller par là pour essayer d'aller aider la chasseuse qui va éventuellement devenir nous rejoindre par le sud comme ça. Fait qu'on va commencer et peut-être essayer de tuer des monstres. Fait qu'on bouge de 1 ici. On met ça là. Fait qu'on est rendu dans le police station. Euh, le monstre qui est là, il vient, euh, il vient. Attends, on a le choix. On peut faire de la furtivité et essayer de se faufiler sans se faire entendre. Ou on peut juste faire du bruit par exprès et puis le monstre vient nous attaquer. Donc, moi, je décide que je veux faire du bruit pour que le monstre vienne m'attaquer. Donc, on enlève, on enlève le token et on pige une carte. Et voilà. Euh, zombie Spider, Parfait. Exactement ce qu'on avait besoin. Il nous reste encore trois actions. Trois actions, puis on va y aller avec du dommage. À la six points de vie, notre axe a fait quatre points de dommage. Donc, on fait deux coups de hache. Pow, pow. Ça tue le monstre. Et on a sa carcasse. Donc, il nous manque maintenant seulement le dog, le soldier, puis celui-là qui est ici. Euh, il nous reste un autre point. On va faire un scavenge dans le police. Euh, ça vaut-il la peine, un scavenge ça vaut-il la peine? Ça vaut-il la peine? Ou je pige une carte? Je pige une carte. Fait que là, on est rendu à 11. Un autre stun. Ok, parfait. Euh, je vais enlever un flare parce qu'il faut finir le taux à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Parfait. Longueur monte à 3. On revient à la Huntress. On roule les dés. Oh non, un 5. Oh oui, un 5. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste un dans la forêt ici. Fantastique, fantastique. On commence notre tour. Oh, j'ai tué mes dégâts à la fin du tour. J'ai oublié de m'y prendre. Je suis complètement dans la lune. Le monstre aussi, à la fin du tour, il m'a fait deux points de dégâts. Faut pas que j'oublie. Ça va sur mon personnage ici, comme ça. OK. Euh, donc, on a roulé. On pige sa carte. C'est facile d'oublier des choses dans ce jeu-là. Surtout quand on parle à la caméra et ainsi de suite, là. Mais, euh. À peine une de game, ça devient deuxième nature. Ça fait juste un peu longtemps que je n'ai pas joué. Donc, j'étais un petit peu. Euh, rouillé euh, j'ai trouvé un bear trap un bear trap c'est super tripant. tu l'équipes tu, tu le mets sur toi ça coûte 1 quand tu décides de le discarter donc ça coûte une action pour jouer la carte tu le discartes ça fait 5 points de dommage à, à, un, à un target donc c'est super bon d'avoir ça contre un boss par exemple parce que des fois le boss est sur la même tuile que toi tu utilises ça tu te faufiles le monstre si tu suis ça lui dans la jambe 5 points de dégâts Super puissant. 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai 4. OK. C'est tu quoi? On va l'équiper. On peint un point. Non, je ne l'équipe pas parce que je n'ai pas de place pour mon essence. On oublie ça. Je fais un euh, une attaque de machette qui fait 3 points de dommage aux zombies. Donc, c'est assez pour le couper en deux. On garde sa carcasse. Donc, on est rendu à deux zombie walkers. Donc, tout ce qui nous manque, c'est un autre zombie dog et un autre zombie soldier. Donc, on ne sait pas s'ils vont arriver. Peut-être qu'on va pogner six walkers de suite dans tout ce qui est ici. C'est ça là, le, 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 le côté gambling de la mission euh, présentement. On a trois bidons d'essence. Il nous en manque juste un. Je m'en vais faire un scavenge dans l'hôpital qui est juste ici. Donc, euh, deck rouge. Beaucoup de chances de trouver de l'essence. Et on ne l'a pas trouvé. On a trouvé un fou de quatre, par exemple. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit cartes dans nos mains. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Euh... Qu'est-ce qu'on fait? Je veux terminer mon tour là, donc il faut que je fasse quelque chose. Euh, I guess qu'on va prendre la bouffe. On va y aller. On va jouer notre carte de bouffe. Fait que on baisse notre hunger de 4. On est déjà à 4, fait que le minimum c'est 1. On finit notre tour, on prend pas de dégâts, il n'y a pas de monstre devant nous. On monte à 2. OK? Ça termine le tour. On s'en vient au pompier, On roule. Oh, un 3. Notre premier 3 de la partie, je pense. Ou encore un zombie qui va être dans nos chemins en retournant vers la vanne. Donc un spawn sur la ferme. Ah oh, non, un spawn sur l'hôpital euh, numéro 3 ici aussi. Donc on a un monstre qui vient directement sur nous comme ça. C'est un zombie-soldier. Donc une bonne chose parce que le zombie-soldier... Attends une minute là. Je me, je me suis trompé de... Non, 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 c'est comme ça. Voici le problème. C'est autour du pompier. On a roulé un 3. La, le personnage qui est dans l'hôpital, c'est la, la chasseuse. Donc, il y a un zombie soldier qui vient de se faufiler vers elle. Là, le problème, c'est que lui il va faire des points de dégâts à la fin de son prochain tour, puis il a 8 points de vie. Puis, mon personnage il est trop loin pour l'assister. Donc, euh, ça va commencer à faire mal. <laughs> 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10 cartes. On pige quand même. On pige quand même. On a trouvé un autre first aid kit. C'est notre deuxième. On est capable de, au moins d'aller euh, mettre des pansements sur des blessures si on a besoin. Euh, tchou tchou tchou. On va y aller avec un scavenge. Pour aller voir qu ce qu'il y a dans le deck bleu. Boom. Come on. Quelque chose de bon. Un handgun. On a trouvé un pistolet qui nous laisse shooter à mid-range, qui fait deux dommages à un target. On le met dans notre main. C'est quand même pas pire. Alors, il faut discarter quelque chose parce qu'on a une limite de 10, mais je pense que c'est à la fin du tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Fait que. On bouge. On bouge dans le tunnel. Donc, on fait 1. On bouge dans le tunnel. On s'en va voir qu'est-ce qui est ici. C'est un. Oh, un, un autre zombie soldier. Oh, les soldats commencent à sortir. Là, ça va faire mal. 8 points de vie. On est chanceux, il nous reste deux actions. On a encore notre hache qu'on peut utiliser qui fait quatre points de dommage chaque fois qu'on utilise un point d'action. Donc 4-8, par, le tue directement. Et on a notre carcasse qu'on avait besoin. Donc tout ce qui nous manque, c'est une, car une, une carcasse de chien et un bidon d'essence. Donc on est quand même proche d'avoir ce qu'il nous faut pour être capable de sortir à la vanne et s'en aller. Euh, OK. Donc. Ça termine son taux. Il ne prend pas de points de dommage. Son Hunger monte à 4. J'ai-tu monté son Hunger à elle? Oui, je l'ai fait. Euh, J'ai tu 11 cartes, c'est ça? Oui. il ouais, faut, faut, faut que j'en carte une. On va enlever un autre flare. Je ne pense pas qu'on va en avoir besoin pour l'instant. Ensuite, euh, on vient à elle. On joue les dés. Un 8. C'est quoi qu'on a des 8? On avait un plutôt un 8, je pense, non? Non, il n'y a pas de 8, on est chanceux. Cool, 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 cool. Fait que là, elle, elle doit faire quelque chose là, pour que ce monstre-là crève. Fait qu'elle a 4 actions. À bout de faire 3, 6, 9 avec la machette. Ah, puis attendez, elle a fini son tour dans l'hôpital. J'ai oublié, elle s'est fait healer de 2 au dernier tour. J'ai complètement oublié de le faire. Donc, je le fais tout de suite. On a le droit de faire des rewinds. Je pourrais juste y aller avec la machette, cloud clac, clow, puis un scavenge. Ça va être simple, ça va être efficace. Fait que trois actions. On utilise la machette trois fois. On fait un combo de trois hits. Ça fait neuf points de dommage au total. Et puis euh, le Zombie Soldier, lui, il, a, il a seulement huit points de dommage comme vous voyez ici. Donc, il est mort. Donc c'est notre troisième carte. On va le mettre là parce qu'on a déjà deux, on n'a pas besoin dans l'objectif. Euh, et la dernière action, c'est simple, on va faire un scavenge. Donc, deck rouge. Et voilà, un bidon d'essence, exactement ce qu'on avait besoin. 1, 2, 3, 4, 5, notre cinquième point d'équipement. N'oubliez pas, j'ai le backpack qui me laisse avoir plus 1, donc 4 plus 1. On est à notre limite. Fait qu'on est capable de retourner à l'avant, on a l'essence qu'on a besoin pour se sauver. Il faut juste se rendre vivant, puis il faut aussi avoir une carcasse d'un zombie dog que je pense qu'on devait être capable de trouver là. Entre ces quatre tokens-là, à moins qu'on n'ait pas chanceux. Euh, fait qu'elle a terminé son tour, son hunger monte à 3. Elle garde ses 4, elle n'a pas 10 encore. On revient à lui, on roule. Oh oh, ça va mal. On vient de rouler un 6, donc le renfort arrive à la minivan. Les zombies sont en train de shaker la van. <laughs> euh, N'oubliez pas, 3 c'est le maximum sur une case. Donc, euh, ça va être tough. La station de police qui vient encore d'avoir un autre monstre. En plus, le Open Field qui a un autre monstre. Oh, wow, ça va être très, très, très compliqué. Je vais peut-être essayer de me, de, de me promener furtivement pour me rendre ici à son tour. Et en plus, dans le deck, quand je revenais au Hunter, dans son deck, j'ai euh, la carte camouflage. La carte camouflage, que ça fait, n'oubliez pas, ça va donner plus de furtivité. Donc, je vais être capable d'être un peu plus silencieux. Essayer de me faufiler à travers eux sans, sans les combattre. Donc, on va peut-être s'essayer euh, pour se sauver d'avoir à, à, à se battre contre eux. Vu qu'il y en a déjà beaucoup ici. Fait que on a roulé. On revient au euh, Fireman. On avait 11 cartes. Je n'ai du une de pas assez au dernier tour. Fait qu'on va en enlever une, de, une tout de suite. On va enlever un des Fire extinguishers parce que je avais deux. On va piger sa carte. Un autre energy drink. Euh, energy drink, ça nous empêche d'avoir faim. J'ai-tu monté son hunger, je m'en appelle pas. Je pense que j'ai oublié. Je vais le mettre à 4. Je m'en appelle vraiment pas. OK. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec le pompier? Est-ce qu'on monte dans le top et on essaie de sauver? Ou est-ce qu'on essaie de venir furtivement? Hmm. Ouais, je vais retourner dans le police station, je vais commencer à éclairer les monstres qui sont vers le côté est, parce que je pense, je pense vraiment que la chasseuse va être capable de se faufiler. Je suis pas un guess, on, on s'essaye. Donc un point d'action, on bouge de la station service. Le monstre qui est ici nous attaque et c'est un comment un zombie dog? Oh yes, nice, facile à tuer en plus. Seulement cinq points de vie, on a déjà notre hache, deux points d'action pour faire deux coups donc huit points de dommages, quatre 8. C'est mort du coup. Et voilà. On a maintenant toutes les carcasses qu'on a besoin pour la mission. On a toute l'essence qu'il nous faut pour se sauver euh, dès qu'on arrive à mettre l'essence dans la minivan. Alors, maintenant, la mission, c'est vraiment de retourner à notre véhicule. Alright, alright. Euh, J'ai-tu quelque chose à bouffer, lui? On va y aller avec son dernière action. On va bouffer un autre palette de chocolat avec la carte Food. Celle-là qui va nous donner moins 2 de Hunger. Donc on baisse à 2. On finit notre tour. On prend pas de points de dommage parce qu'on n'est pas en combat. Plus 1 de Hunger, donc 3. On revient à la Huntress. On roule un 5. Je pense qu'elle n'avait pas des 5. Non, la forêt. La forêt, c'est un 5. Donc un autre monstre qui se pend là. Puis là, on va faire notre petit euh, truc qu'on parlait. Fait qu'on pige une carte avant. Oh, nice! On a trouvé Survival Instincts. Ça, ça a dû la, la, la fin de chaque joueur de d'un. De Donc, euh, quand même pas pire. C'est pas beaucoup, mais c'est tout le monde en même temps. Fait que c'est bon. C'est au lieu que tout le monde doit payer un action, vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on peut discarter? On pourrait peut-être discarter la machette pour essayer de se faufiler puis garder nos Flaming Harrows. Fait que, on va faire ça. On va, on va, on va aller installer notre camouflage. Ça dit, action, discard a monster cannot be used on bosses in front of you and replace it with a monster token. Ça, c'est l'action de la carte. Si on décide de faire l'action, take three damage. On ne fait pas l'action. Tout ce qu'on fait, nous, c'est l'équiper. Donc, on paye un point. On enlève notre machette. On le met dans le discard. Puis, on équipe notre carte de camouflage. Là, on est rendu à 9. Vous voyez ici, 9 de furtivité plus 2. On a 11 points de furtivité. Donc, c'est super haut. Comment ça fonctionne la, la, la furtivité? C'est quand je vais rentrer dans cette pièce-là, je vais rouler les dés ici. Ça va me donner un total. Le total doit être égal ou, ou moins. C'est-tu égal ou moins? Je vais faire un petit check-up dans le gros livre d'instruction. Stealth test. Roll de tous mes naves. The Comment roll is less or equal? Si le total roulé est moins ou égal à notre total de furtivité, on passe le test. Donc, le maximum qu'on peut rouler, c'est 12. Cependant, j'ai 11, mais j'ai une pénalité de 2 parce que y deux monstres sur la case. Vous comprenez? Fait que c'est comme si j'allais 9. Fait que il fallait que je joue 9 ou moins sur les dés, puis je réussi à, me pa à passer euh, sans me faire voir. Si j'échoue le test, les deux monstres m'attaquent immédiatement. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire le gamble. Fait qu'on a utilisé notre camouflage. On utilise l'autre action pour bouger sur cette case en se faufilant furtivement. Et on y va. Oh. On a roulé 10. Ça nous prenait 9 ou moins, on a roulé 10. OK. Fait que les deux monstres viennent nous attaquer, malheureusement. Furtivité 0. <laughs> Alors, qu'est-ce qu'on a Un zombie spitter, puis en plus un zombie dog. Oh boy. OK. On a quand même nos flaming arrows pour se défendre. Fait qu'on est capable de faire beaucoup de points de dommages. On pourrait au moins se débarrasser. Je pense qu'on a assez pour toutes les tuer, honnêtement. Parce qu'il nous reste combien d'actions? Deux? Ouais, ça va être assez pour s'en débarrasser. On est chanceux. Euh, à cause que c'est très puissant. Fait que, on se fait voir. On sait qu'on se fait voir. Les monstres s'en vient vers nous. Fait que là, on allume notre petite flèche, là, avec l'essence à la Lambeau. Puis là, on tire notre flèche. Ça nous coûte un bidon d'essence. Il nous en a juste une shot avec euh, cet, euh, cet, euh, ce, ce, ce type de flèche-là. Qu'est-ce que ça fait encore? C'est deal 5 points de dégâts à un target et 3 points de dégâts jusqu'à 2 autres targets. Donc, on va targeter euh, le chien parce qu'il a 5 points de vie. Ça va le tuer d'un coup. Donc, lui, il est out. Et puis, euh, dommage que l'atello sur le zombie spitter de 3. Donc, il perd la moitié de sa vie. Pow, pow. Il lui reste 3 points de vie. Il lui reste trois points de vie. Là, j'ai un choix à faire. Est-ce que je l'attaque avec ma dernière flèche? J'ai vraiment le goût de garder ma dernière flèche. J'ai rien pour faire du reload. Euh, j'ai aucune ammunition pour remettre de, de l'essence dans mon bidule, la flèche. Euh, j'ai pas de combustible pour allumer les flèches, donc je serais pas capable de, de le réutiliser. J'aimerais vraiment garder mon dernier bidon pour peut-être utiliser sur la minivan parce qu'il y a trois monstres là-bas. Ah, comment qu'on va faire ça? C'est-tu quoi? Je pense que je vais juste perdre les dégâts parce que j'ai encore tous mes points de vie donc c'est quelque chose qu'on on peut, euh, peut garder pour l'instant. Faut pas oublier d'enlever les tokens quand on se fait attaquer. Euh, ok, fait que deal damage to all players in range, mid-range. Fait qu'elle, elle, elle, elle capable et est capable d'attaquer. Il y a six là. Capable d'attaquer là, là, là et là. On est chanceux, le, le, le pompier n'est pas dans le range. Donc, on va prendre à la fin de notre tour ce dommage-là. Fait que la dernière action, cest quoi? On va utiliser euh, Survival Instinct, c'est la carte qu'on vient de pogner qui, qui réduit le Hunger à tous les personnages de 1. Fait qu'on utilise ça, ça coûte notre dernière action. Notre euh, Hunger baisse à 3. Le Hunger du pompier baisse à 2. Euh, tch, tch, tch. On termine notre tour, on mange 2 points de dommage parce qu'on a un monstre devant nous. Il nous en laisse encore 22, on est quand même pas pire là. Euh, faut pas oublier que c'est une mission very easy. C'est la deuxième mission du jeu au complet. Donc euh, faut pas trop s'exciter. Euh, OK. Donc euh, on monte le hunger de 1. Et on passe au prochain joueur. Donc on roule. On a un total de 9. Est-ce qu'il y en a les 9? Je pense que oui. Oui, le grocery store. C'est pas grave, on n'ira pas par là. Donc, on pige une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je encore good. Je check juste au cas où j'oublie de discarter. Euh, un autre first aid kit. Donc, euh, pas vraiment besoin de ça. Là. On va le garder pour l'instant. On va tenter de discarter une après. On a déjà tout le sens qu'il nous faut. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Première action, il va bouger à la ferme, puis il va attaquer le monstre qui est ici. On va le voir, c'est quoi? Un, un autre Zombie Spitter. pas de problème. 6 points de vie, il y a sa grosse hache de pompier qui fait 4 points de dommage par action. 4 points de dommage, 8 points de dommage. Zombie Spitter, out. Aucun challenge. Euh, puis ensuite c'est euh, quoi je vais faire un search sur la ferme juste au cas qu'on trouve la bonne bouffe euh, qu'on serait capable d'utiliser peut-être au prochain tour ou, ou quoi quelque chose qui se passe donc deck vert on a trouvé de la munition donc ça pourrait être bon pour, euh, pour donner à la chasseuse ce qu'elle va venir nous rejoindre si elle en a besoin euh, qu'est-ce qu'on discate? on va enlever on va enlever un energy drink Un Energy Drink, puis un First Aid. Parce que là, on était rendu à 12 cartes. On est encore à 10. On est, le, on est legit. On est good. Euh, personne pour nous attaquer. Hunger monte de 1. On change de personnage. On roule pour les monstres. Donc, un autre 9. On est chanceux. Là. On est vraiment chanceux parce que les monstres ils commencent à apparaître super loin de nous ou ce qu'on n'est pas. Donc, on commence avec la Huntress. On pige une carte immédiatement. Oh, Cover of Night. Ça, c'est trippant, cette carte-là. Ça dit, « Draw three cards from any scavenge deck and discard one of them. » Fait que dans le fond, quand on trouve cette carte-là, on peut la jouer pour un point d'action, puis on peut aller piger trois cartes de n'importe quel deck. Ça peut être un mélange. Ça peut être deux cartes de rouge, un vert, euh, trois cartes de bleu. C'est vous qui décidez. Mais à peine les avoir pigées, vous devez en défausser une. Donc, c'est une très, très, très... Très bonne carte pour trouver de l'essence, par exemple. Ça a été super bon ça plus tôt dans la partie. -ci. Mais c'est pas grave. Regarde, on a, on a déjà nos bidons. C'est une, une partie very easy. Là. Euh, donc, très bonne carte. Très bonne carte. Euh, sûrement dans les scénarios un peu plus difficiles. OK. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On va bouger ici, c'est sûr. Première action, on veut, veut s'en aller vers la minivan. Deuxième action, on va continuer notre chemin vers la police station. Oh, attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai juste demandé rendre compte. Euh, j'ai terminé mon tour. Attends, on va revenir en arrière. J'ai terminé mon tour. Euh, sur euh, le open field. J'ai complètement obligé de... l'action qui est ici. C'est écrit end, draw a monster. Fait qu'on en a piché un. Okay. Un autre spitter. Fait qu'il lui aussi nous aurait frappé de deux. Fait qu'on aurait mangé quatre points de dommage au total. Fait qu'on va se mettre ça. Ici. Puis là, eux sont en train de me suivre, là. Fait que ça va peut-être changer ma, 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 mon tour. Au lieu de me sauver, je pense que je vais juste les attaquer. Euh, J'ai peut-être pas le choix d'utiliser mon. ma flèche. Hmm, on va être deux là-bas. Ouais, c'est ça que je vais faire. OK. Fait qu'on y va. On va faire ça. J'avais complètement oublié que j'avais un monstre devant mon personnage. en train de me sauver. <laughs> OK. Bon. Premier point d'action. Euh, on prend le dernier euh, bidon d'essence sur notre flèche pour l'activer, on lance une flèche qui fait 5 points de dommages à un target, on va y aller avec celle-là, on met un petit 5 dessus, puis 3 points de dommages à un autre, donc celle-là lui laisse 3 points de vie, ça va la tuer. Donc cette zombie spider-là est gone, il en a juste une. On ne peut plus utiliser nos flame arrows pour l'instant, sauf si on trouve des munitions pour le mettre de l'essence dessus. Euh, je dois faire un point de dommage seulement, donc je vais utiliser mon bone arrow. Je vais tirer une flèche normale, ça coûte juste un point d'action. Ça fait deux points de dégâts. Donc, elle aussi, elle est out. Puis maintenant, je vais faire mes mouvements. Donc, tunnel. Dernier mouvement, on passe du tunnel jusqu'à la station de police. OK. Euh, ça termine son tour. Donc, son hunger monte à 5. Elle prend pas d'autres points de dégâts. Euh, rien de spécial ici quand on termine notre tour. 7-4, on est good. On revient au pompier. On roule les dés. On a roulé un 7. Un 7, c'est le chiffre chanceux. Je pense qu'il n'y a aucune tuile dans le jeu qui a le chiffre 7. Donc, si vous voulez rouler des 7, c'est fabuleux. Vous n'avez pas de monstre qui vient vous attaquer. Euh, donc, ouais, on y va. Fait que let's go. On pige. Fireman Stamina, move up to 3 spaces and draw a card. Donc ça, ça laisse bouger ça jusqu'à 3 cases. C'est pas obligé d'être 3, ça peut être 2. Free EP, j'ai une carte en plus. Donc c'est quand même cool. Um, là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais regarder mes cartes. J'ai-tu quelque chose qui serait utile pour attaquer tous ces monstres-là? Où est-ce que je rentre dans le tas? J'ai quand même ma, ma axe qui est bonne. J'aurais vraiment aimé ça avoir mon briquet. J'ai-tu des spare parts? J'ai pas de spare parts, malheureusement. Hum... J'ai pas de spare parts, sais tu sais quoi, je pense que je vais attendre là, la Huntress parce que son arc c'est mid-range. Elle va être capable d'attaquer les monstres qui sont là avec la flèche avant de se rendre. Euh, sauf que je sais pas comment ça fonctionne. Si les... Non, je pense que tu peux pas les attaquer si tu les vois pas, ils sont comme euh, cachés. Ils doivent vraiment être sur un autre joueur. Euh, donc ça, ça serait pas une bonne idée ce que j'ai pensé. Je pensais shooter ma flèche dans le tas avant de me rendre. Extinguisher, ça les stunnerait pour un tour. Un flare, ça les ferait tout venir sur moi. Donc, elle, elle pourrait attaquer de suite sans bouger. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Fait, finalement, on utilise le flare qu'on a depuis le début à profusion. Donc, il fait aller son flare dans les airs. Ça coûte un point d'action. Tous les monstres qui sont autour de lui viennent, mais y compris le gars, le monstre qui est en haut ici. Donc, il y a quatre monstres qui s'en viennent sur Là, on y va big time, là. Il y a quatre monstres qui s'en viennent. Oh! C'est quoi, cette affaire-là? Zombie Stalker. Oh là là, là là, là là, j'ai jamais vu ça. Zombie Stalker, 12 points de vie, 5 de dégâts. Mid-range, after dealing damage, Stalker moves to the weakest player in range. Fait, lui, il va toujours attaquer le personnage qui a le moins de points de vie. Wow! Aïe, aïe, un. Deux. Trois. Zombie Soldier. Et le dernier qui s'en vient, un autre Zombie Soldier. Fait qu'il y en a deux comme ça. On enlève tous les tokens. Fait que là, on est dans la grosse bataille de la fin. Là. Il nous reste. Ça, c'était mon habileté. On l'a fait. Il nous reste trois points d'habilité. Euh, j'ai encore mon Oxygène. Mais j'ai pas mon Lighter. Oh, j'aimerais tellement l'avoir. Ça ferait quatre points de dommage à toutes les créatures d'un coup. Ça, c'est débile. Euh, assez pour faire la moitié de leur vie à lui, un tiers, puis ça détruit le zombie walker. Mais je n'ai pas. Qu'est-ce qui est le best? C'est-tu quoi? J'utilise un action. J'utilise mon fire extinguisher. Le fire extinguisher, ça stun tous les monstres in range, donc sur short range, sur la même tuile, donc tous ceux-là. Euh, jusqu'au début du prochain tour. Donc ils sont pas capables de faire des dommages aux pompiers. Ils sont tous poignés dans la boucane euh, de, de l'extincteur puis ils voient pas les, les targets. Donc, ils sont tous stun. Il n'y a pas de tokens stun dans le jeu. Tiens, juste pour pas qu'on oublie, là. On va mettre les tokens radioactifs. C'est pas ça que ça sert, là, je pense pas, en tout cas. Euh, puis il nous reste encore deux actions. Fait qu'on va rentrer dans le tas. <laughs> Aussi simple que ça. Elle, elle n'a pas de combustible, fait qu'elle ne peut pas faire de. Euh, mais je pense. Attends. Oh my god. Elle a-t-il des munitions Je ne sais pas. Elle pourrait faire un scavenge. Si elle est chanceuse, elle va trouver de l'ammunition dans, dans le poste de police. Oh man, oh man, oh man. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai un shotgun. J'utilise. Est-ce que. 3 damage to one target and 1 damage to all targets in front of you. Si j'équipe le shotgun, je fais 3 points de damage puis 1 à tout le monde. Elle a flamme juste de 2. Non, ça vaut pas la peine. Je vais rentrer dans le top avec la hache encore. J'ai pas le choix. Fait que, qu'est-ce qu'on va attaquer? On peut faire jusqu'à 8 points de damage. On va se débarrasser de lui pour pas qu'il. Qu euh... 4. 1, 2, à on pourrait le tuer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. on pourrait faire 2 mon homme. C'est-tu quoi? On va frapper euh, les deux attaques de hache sur le zombie soldier qui est ici. On va s'en débarrasser. C'est 8 points de vie, donc il est out. Il reste trois montres qui ne sont pas capables d'attaquer à la fin du tour. Euh, C'est correct parce que je ne veux pas avoir de dommage. <laughs> on monte à quatre de Hunger, puis on passe autour de la chasseuse, donc on roule. 8. Il n'y en a pas, je pense. Non, il n'y a pas encore de 8, on est chanceux. Puis... Il n'aurait pas fallu que ça s'aille comme la, la carte du Police Station. Ou un autre 6 pour qu'il un monstre là et un monstre là. Ça c'est désastreux. OK. Là, là on a 4 habiletés. Qu'est-ce qu'on a, nous? On n'a pas beaucoup, beaucoup de stock dans nos mains. On a le Mid-Range Attack. On peut, ça veut dire qu'on peut attaquer euh, tous les monstres qui sont sur cette tuile-là. Donc, ceux-ci, ou ce que le pompier. Pour faire 2 de dommages par action. On pourrait peut faire un, to un total combiné de 8 points de dommages euh, présentement. Dans nos mains... Euh, j'ai des spare parts. Tu sais ce qu'on a? Une machette survival. Là, rien d'intéressant. Un bear trap, une machette, un bow, un motorcycle pour se promener de la bouffe. Cover of Night. Oh, Cover of Night, ça pourrait être bon, là. On pourrait essayer de se trouver des ammunitions. Oui, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. On paye une habileté. Ça revient aux pompiers. On fait un petit peu d'espace. On utilise Cover of Night, donc la carte qui vous laisse faire trois Scavenges. On va y aller dans le deck bleu pour trouver et être capable d'avoir plus de chances de trouver des munitions. Donc on y va. Première carte, munitions tout le monde. Regardez ça. Deuxième carte, des walkie talkie Qu'est-ce que ça fait ça? Pick another player to take two actions immediately. Donc c'est comme si tu calls le gars puis tu lui dis euh, qu'est-ce qui se passe puis il peut réagir. Euh, puis empty-handed. Fait qu'on va On va se débarrasser de Empty Handed parce qu'il faut discarter une carte. On garde walkie-talkie et ammunition. Je vais utiliser immédiatement. Oh, attends une minute, là. ça, ça... Oh non, 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 je me suis trompé. Non! C'est vrai, c'est pas des ammunitions pour ça, c'est des bidons d'essence, je pense, qu'il faut trouver. Je pense que c'est des bidons d'essence. Je vais aller voir dans le manuel, je pense que ça le dit. Oh non! Ça dit, in, ah c'est ça, regarde, ça dit Starting ammo indicates that a card can only be reloaded by discarding a fuel rather than ammo card. Ok, regardez. Um, parce que c'est une erreur involontaire, on va faire un rewind. Ammunition, walkie-talkie, empty-handed. Ça retourne dans le, dans le même ordre là. Dans le deck bleu. On utilise notre habilité dans le deck rouge parce que ce qu'on veut trouver c'est de l'essence. Donc trois cartes. On a trouvé des medical supplies. Des binoculars. Come on. Oh non! Ah oh, oui, je peux discarter une carte! On discarte la Ambush, pour pas qu'on soit attaqué. On est chanceux. On garde des Binoculars et des medical supplies, mais bon, c'est pas ce que je voulais. OK. Euh, je pourrais tout de même. Me discarder un des fioles que j'ai ici. Ça coûterait un. Puis ensuite, je peux shooter dans le top avec mes flèches. Deux fois. Ça ferait 6, 6. 5, 6, 7, 8. Ouais. Je pourrais faire ça comme ça. Puis eux, ils sont puissants à la fin du tour. Puis euh, j'ai-tu monté son Hunger à lui? Je m'en appelle même pas. Je vais le monter à 5 juste au cas. J'espère que je n'ai pas fait la gaffe de le faire deux fois, mais c'est pas grave. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se discarte un fuel pour on essaie d'en trouver un autre? J'ai pas encore trouvé de fuel, je pense, dans la ferme puis dans le police Station non plus. On pourrait tout de même aller voir ailleurs pour trouver, mais ça. Où est-ce qu'on se bat normalement? C'est quoi? Ah, J'ai assez de points de vue. On va juste se battre normalement. Ça va être assez. OK, check. Deux actions pour choter le Zombie Walker, qui a 4 points de vie, ça le tue. Fait que lui, il est out. Il laisse encore un point d'action. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est du coup, on va jouer Spare Parts, puis on va aller chercher euh, notre carte Cover of Night, la remettre dans nos mains. C'est comme ça qu'on finit notre tour. Euh, là, par exemple, le Hunger devient à 6. Quand le hunger devient à 6, ce qui arrive, c'est qu on, on commence à prendre du damage parce qu'on a vraiment faim. Donc, notre carte tourne de côté. Vous voyez, notre, euh, notre, mon total de furtivité ici était 9. Maintenant, il tombe à, à 8 parce que je fais plus de bruit. Mes points de vie ne changent pas. Cependant, chaque tour donné en avant, quand je vais avoir le hunger, je vais commencer à prendre des dommages. Fait que présentement, je vais couvrir le chiffre numéro 2 qui est ici. Donc, je vais prendre 2 points de dommages à la fin de son tour. Donc, je les prends immédiatement. Donc, il est rendu à 6 points de dommages. Il lui reste. Euh, 18 points de vie. OK. On revient au pompier. Donc, le pompier va se faire attaquer à la fin de son tour s'il n'est pas capable de tuer ces monstres-là. On va aller voir s'il y en a d'autres qui s'en viennent de nous rejoindre. 3, 4, 5. Je pense qu'il y en a des 5, sauf que c'est loin. Effectivement, le 5, c'est la forêt. Donc, c'est rendu au max. Le pompier va continuer son tour. Est-ce qu'il y a un autre extincteur euh, non, je l'ai discarté malheureusement. On piche quand même une carte, c'est peut-être un briquet. Non, un autre Fireman Stamina. On est à 10 cartes. On a 4 actions. Faut pas oublier celle-là. On a 4 actions. On peut faire jusqu'à 16 points de dommage. Donc, je vais tuer le Zombie Stalker tout de suite. Parce que lui, il fait 5 points de dégâts. Ça prend 3 shots de hache. Donc, 3 actions. Claw, cloud, cloud. cloud. 4, 8, 12. Lui, il est mort. La Zombie Stalker. Puis là, il ne reste pas beaucoup de cartes de monstres, là. Ça veut dire que le boss, il pourrait s'emmener. Enfin, si on tarde, euh, si on tarde la mission, c'est possible que le boss il vienne, puis ça va vraiment, vraiment être euh, spécial. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu utiliser mon Fuel. J'y ai pensé un peu, j'aurais dû m'exprimer. Euh, parce que si, si j'avais utilisé mon Fuel, j'aurais mis mes flèches en feu, j'aurais dans le tas. ça aurait fait bien du dégât. Mais là, je ne peux pas compléter la mission parce qu'il faut trouver un autre bidon. Donc, ça l'allonge, puis il faut. On a eu la chance que le boss sorte puis qu'on se fait envahir. Ça devient vraiment, vraiment tough. Euh... Donc, voilà pourquoi on est ici présentement. Euh... Pff, 8 points de vie. Fait qu'on va y aller avec un dernier coup. On va le frapper. cloud il prend 4 points de dommage. Donc, 2-4. Puis lui aussi, son hunger, il monte à 6. Fait lui aussi, il commence à avoir faim. OK. Euh, il va prendre 2 points de dommage. Fait qu'à la fin du tour, le monstre qui est devant lui il va l'attaquer pour 4 plus les 2 points de Hunger. Ça fait 6 points de dommage d'un coup. Hé! Hey, ça frappe! Donc 5-6, il a quand même 32 points de vie, donc c'est pas la fin du monde. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, cartes. on laisse ça là. On revient au Huntress. Ouh, on roule, s'il te plaît, point 6. 5 encore. 5 encore, c'est la forêt. 3, c'est le maximum, on ne rajoute pas de personnages. Je pense que dans le. Je pense que dans l'expansion, le... il y a une... un nouveau règlement qui fait que s'il y a un token de plus, il se propage un peu à la pandémique. Euh, donc, ça c'est comme un là, un là, un là, là. quelque chose du genre. Donc, ça, ça donne une raison de ne pas laisser les choses s'empiler comme ça quand que vous êtes sur la map à certains endroits. Euh... Très, très, très intéressant. Ça rajoute du piquant au jeu dans les missions, surtout qui sont plus faciles comme celle-ci. Euh, quelque chose que je vais essayer moi-même euh, quand on va jouer l'émission missions euh, d'expansion. Ok, donc euh, on pige notre carte. On est rendu au beau, donc mid-range. On a déjà un, ça ne sert absolument à rien. On a encore Cover of Night. Euh, il y a juste un monstre facile à tuer. Fait qu'on va juste shotter dedans. Euh, ça prend. Il reste 4 points de vie. Il fait deux shots de, de flèche normale. 2 points de damage chaque, ça le tue. 2-4. Pow! Fait que lui, il est out. Et voilà, on n'a plus de monstres devant nous. Est-ce qu'on va être capable de se sauver jusqu'à la minivan? Euh, prochaine action, on bouge ici. Prochaine action, les dernières pour elle. on s'en va à la minivan. Fait qu'au prochain tour, on va être capable de se sauver. Sauf que là, on commence à avoir vraiment faim. On prend prendre 4 points de dommage. Euh, parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment faim. Et on en a à 10. Il nous reste 14 points de vie. Il ne faudrait pas que quelque chose de désastreux se produise. <laughs> Euh, ok, ça, fait, ça finit son tour. On s'en vient au pompier qui roule. Oh, 5, 6, 7. Fabuleux. J'ai eu peur que ça allait tomber sur le 1 j'ai vu le 1 de côté ici. <laughs> euh, 5, 6, 7. Fait que lui, même chose. Il va bouger le 1. Il va venir se ici. Il va utiliser son autre action pour tout mettre ses bidons d'essence euh, dans, la, dans la minivan. Puis, il n'y a, a pas de monstre sur la tuile. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est dans le minivan. On le met sur l'objectif. Il nous en manque deux autres. Euh, il faut qu'il qu fait quelque chose pour son tour. Donc, euh, je pense qu'on va, va. Y a-tu de la bouffe, lui Y a-tu de la bouffe Y a un energy drink. Fait check. Il va utiliser first aid, tant qu'à y être. Ça va l'essayer le, de prendre 4 points de vie. Donc, on enlève un 5, on met un 1, juste pour dire. Euh, puis il va utiliser un Energy Drink qui l'empêche de prendre des dommages de, de Hunger jusqu'au prochain tour, puis il pige une carte en plus. Ça, c'était son dernier tour. Ah, puis il a trouvé un Fire Extinguisher qui être bon au, au tour d'avant. 9 cartes, on termine là. Le Hunger, il est encore à 6, il baisse à 4, mais on ne prend pas de points de dommages à cause de son Energy Drink, qui lui donne l'énergie. On revient au euh, Hunter qui roule. 6, 7, 8, 9. On aurait un monstre qui apparaît au grocery store. Puis elle a aussi abouti son premier habilité pour euh, mettre les bidons d'essence dans l'objectif, donc dans la minivan. Et puis euh, avec les trois dernières euh, tokens qu'elle a, il ne faut juste pas qu'elle crève. Il faut que je regarde mes affaires. Euh, je, pense, je pense que c'est impossible qu'elle crève là qu'on va utiliser, on va faire un petit combo de, de fin de partie pour le fun. Non, j'ai déjà utilisé mes spare parts. Bon, on va utiliser notre bouffe qui nous, qui nous rajoute un de Hunger, donc on tombe à 5. Quand on tombe à 5, qu'est-ce qui se passe? La carte revient de l'autre côté, puis on est à 5. OK? Euh, ça, c'était mon deuxième action. Quoi d'autre que j'ai ici, là? On va utiliser euh, les Medical Supplies qu'on a trouvé plus tôt dans un endroit, je ne en me rappelle pas laquelle. parce qu'on avait fait uh, Cover of Night. Ça, ça nous laisse à prendre 3 points de vie. Donc, on joue cette carte-là comme action. On prend 3 points de vie, tant qu'à y être. 2, 4, on met un 1. Puis, dernier tour, on va piger une carte tout simplement pour dire qu'on finit une tour. Oh, la bonne carte, ça a été bon plus tôt. Headshot, c'est long range, donc on peut la, la tirer elle de jusqu'à deux quarts. Si on est là, on peut frapper juste quelqu'un qui est celle à la ferme, par exemple. Ça frappe aussi loin que ça. 6 euh, dommages au target si on a un bow ou un crossbow. Donc c'est un, un, un headshot euh, super fort contre les boss, c'est super bon. Parce que souvent les boss, c'est juste une personne. Euh, OK, donc ça, ça termine son tour, son angle monte à 6. On retourne la carte une autre fois. Elle commence à avoir faim. Elle prend 2 points de dommage pour avoir faim. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. Euh, elle, finit, elle finit à 15 points de vie. Puis, notre euh, pompier, lui, il finit à 20, euh, 30 points de vie. Ils sont dans la vanne et puis ils déguerpissent et on vient de gagner le scénario. <laughs> yeah! Fait que, juste pour vous montrer les cartes d'objectif, pour vous rassurer qu'il n'y a pas de triche, j'espère. Souvent, mes chums ils me disent que j'invente des règlements, c'est pour ça que je dis ça. Fait qu'on a deux zombie Spitters, on a deux euh, zombie soldiers, deux zombie dogs et deux zombie walkers, en plus des quatre bidons d'essence euh, qui sont ici qu'on avait besoin sur la mission collecte de samples. Quatre bidons d'essence, huit samples, deux de chaque. Once you have all the samples and fuel, get back to the van to escape. Euh, le boss a même pas apparu, on était chanceux quand même. Avec les roulements de dés. Et puis voilà, on a gagné! <laughs> euh, J'adore ce jeu-là, c'est tellement, tellement le fun, c'est thématique, c'est pas trop complexe, malgré qu'il y a des choses à se rappeler, puis des fois j'oublie de, de faire mon Hunger Dice, des fois j'oublie de spawner un monstre, mais c'est des choses qu'on peut arranger facilement en retournant à l'arrière. Puis comme je vous disais au début, en parlant à la caméra, puis en, 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 au lieu d'être juste focus sur le jeu quand vous jouez, c'est un peu plus difficile. Fait que je fais peut-être des erreurs que je ne devrais pas faire. Euh, en, en parlant d'erreurs, Si vous l'avez vu des erreurs que j'ai pas vu comme une couple de fois que je me suis mis du Hunger, peut-être que je pas dû, ou peut-être que j'en ai oublié, peut-être que j'ai oublié de mettre un monstre, laissez-moi savoir parce que mon intention avec le jeu euh, Maximum Apocalypse pour l'instant, c'est de faire l'émission euh, du jeu au complet parce que ça, ça joue super rapidement. Euh, J'aime ça tout simplement. Donc je vais faire une petite série de Maximum Apocalypse. Euh, que je gagne ou perds le scénario, je vais passer au prochain. Euh, je vais essayer de faire les zombies avec ces deux personnages-là, donc euh, on a le, le Hunter, le, le, le pompier. Puis les autres scénarios, il y, a les, il y a des aliens, il y a des robots, euh, il y a des mutants, je pense. Je vais essayer de les faire avec d'autres personnages pour vous montrer un peu euh, la diversité entre les personnages, toutes les différentes decks qu'ils ont dans le jeu. Donc euh, voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié le playthrough avec moi, la petite partie. Puis j'espère vous revoir la prochaine fois. Ciao, ciao!